was wringing my hands and crying. For 4 months a day, I was wringing my hands and crying. I believe to my soul that your daddy's got no family. From Memphis to Norfolk, 36 hours drive. Peut-être arrêter le public qui est là quand même. Hein. Attends, pas obligé de faire. On termine nos 12 mesures. Bonsoir, Roulier. Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ça va? Ouais. Bien. Bon, alors, je vais commencer à être honnête et être tout à fait franc. En public averti que vous êtes, je vous connais. Vous êtes déjà dit, tiens, ils nous font le coup du 12 mesures en anglo-américain. Les origines du tout. Vous avez parfaitement raison. Quand même. Quand même, il faut rappeler que, bon, c'est vrai, généralement, il était rapporté que la musique, le blues, c'est la musique des bleus de là. Ils ont perdu là-bas, monsieur. Tiens, on vous attend là-bas. 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 Bon, on ne vous fait pas là-bas, c'est pas prévu du tout, c'est pas prévu du blues. Et là, monsieur, le blues, c'est la musique des bleus de là. Qui était bien entendu créé par les Afro-Américains dans le sud des États-Unis au début du XXe siècle, tout ça. On est d'accord, vous avez raison. Sauf que, je reviens à sauf que, n'oubliez pas qu'en 1765, quelques 10 000 Acadiens français d'origine ont été foutus à la mer, faut le dire, par les Anglais. On avait vendu le déjà, mais on avait vendu le cadet aux Britanniques. Enfin, c'est il faut le dire. Bien, donc ils ont été mis à la mer. Résultat des courses, eh ben, ils n'ont pas gagné jusque dans le sud de la Louisiane, le sud des États-Unis. Ils sont installés. On les appelait les Cajuns. Cajuns. Les Acadiens, quoi. Et oui, c'était le moment. Bon, bref, ils sont installés dans le sud des États-Unis. Du coup, ben. On a des doutes. Du coup, les compères que nous sommes, là, tous les quatre, nous avons fait des recherches. On a creusé, on a recherché. Et donc là, ce soir, au point où nous en sommes, nous vous proposons donc un grand débat sur les histoires, les origines du blues. Enfin, on va vous... Moi, ça me rappelle la carte du sud. Bon. Ils chantaient déjà des choses de même sur les bonnes femmes. Et les débats lançaient deux francs, celui-là. Il disait pas « I was born Toulouse » puisqu'il en était. Ce qu'il faut dire, le fadaise, pour voir enfin du fond de son lit. Sur le tapis, où les couvades
pont pour ramasser une de givre. Sans hésiter, nous repartons. La monstrueuse et la luisante, mélangée, jeune et dedans. Jure, le seul problème qu'on se pose, c'est de séparer des portions. 55 kilos de choses, de 55 grammes de vie. C'est pas toujours un jeu d'enfant pour un juge pour un grand. Jume, le mannequin de ma lucure, la tartino, l'hôtesse de l'air, tout est bon pour notre patrie. Que fruit soit vu, qu'il soit vert. Faut qu'on y croit qu'il y a fait dedans. Mais non, jure. Jure. Mais il arrive que le cœur s'accroche aux épines d'une jolie fleur auquel le rêve est dans sa poche. Ce sont nos choix remplis de pleurs. Nous les coureurs du Tour de Taille, nous les gros crocs de souris, il faut alors lever la taille, ou bien marcher vers la mairie. On a une belle maman, vous demandez pardon. Jure, tout à l'heure, sur un chapitre de la beauté. En attendant le jugement, nous les dons, jure, nous les dons. Jure. Mais le tronc et les racines sont en Afrique. En Afrique ? Eh oui. En Afrique ? Hein, on rappelle aussi une histoire qu'il y avait racontée il y a longtemps. Aux actualités, pas trop pâté, pas très macronerie. Ouais, au cinéma du Majestic, là, à côté, il n'y a pas longtemps. Ah oui. Sur fond d'ancien combat.
frais. Il reprenait la vache chaloupée. Bien gravé comme dame de la boue au tempo du roman. À deux pas son âme, on l'attendait. Derrière Saint-Louis, il s'endormait. Sous le halo d'une lune rousse, bercé par un beau bras bleu. Il s'avère pas
Escaliers de la pute sont du gros fer à bois. J'aime pas ce qui se passe quand tu me dis
dévoleur des valises pour ensuite se faire la malle, avant de se faire coffrer pour recettre l'argent sale. Des anonymes font bouche arrêtée sur la toile, quand d'autres font leur bulbe avec une touche de rage. Je sais pas ce qui se passe quand tu me dis ça, il faut que tu me lâches, tu fous. La musique, comment disait-il déjà, comment s'est-il appelé, c'était une star là-bas, elle était envoyée par les... Il écrit des textes, il disait sur les marchés, dans les fêtes de mariage, un poète quoi, un émeuseur, un émiseur, il racontait sa vie, la première seconde. Est-ce que
seront sans célébrer. Alléluia, alléluia. Thank you.
Ils étaient installés à Couture-les-Marais du Prémarsac. D'ailleurs, aujourd'hui... Ça allait le changer du Mississippi. Légèrement. Et puis, ouais. Je peux continuer mon texte, ouais, quand même. Merci. Alors, pour me couper la parole à moi, donc allez-y. Hein. D'ailleurs, Ulysse Bilouze, qui s'appelait, d'ailleurs, beaucoup pensent que c'est son nom, par déformation, qu'aurait donné Blues. Bilouze, Blues. Ulysse Bilouze, Blues. Mesdames et messieurs. Ouais, toi. Je crois qu'on va pouvoir dire que ce soir vous êtes venus pour écouter une petite histoire du blues. Malheureusement, vous êtes mal tombés. C'est la petite histoire de Bilouze. La grande histoire. La grande histoire de Bilouze. L'histoire de Bilouze et de ses voyages aussi.
c'est le fils d'Ulysse, le grand Philippe, que tout le monde appelait Philbilou, le grand Phil, et sa sœur, Agathe. Agathe Bilou. Très connue, très connue. Agathe de Blue. Agathe Bilou, qui ont fait, qui ont tout joué pour faire sortir le génie créatif d'Ulysse. De faire sortir de l'oubli. Et aussi de le remettre sur la route. Un peu, oui.